Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Il y a une information qui a fait la une semaine ça là sur les réseaux sociaux à travers la communauté haïtienne qui est ici de Brésil et un pile monde en Haïti qui a une idée peut-être vin Brésil. C'est décret que le gouvernement brésilien a peine publié, portalia interministériel numéro 37, que le ministère de justice avec le ministère des Affaires étrangères publié dans le 31 mars, sous question visa humanitaire pour Haïtiens. Malgré moi remarqué en pile monde par rapport avec question y a posé yo recevoir information en mal ou bien yo pas comprendre information yo recevoir. Comment ça y est exactement? Pas oublier programme humanitaire pays Brésil gagnent pour haïtien, li pas un programme qui l'a de jodi, son programme qui l'a depuis 2012 et à chaque année qui rive, yo a pour renouveler décret ça parfois avec quelques modifications dans façon que demande visa fait, document nécessaire, processus rendez-vous, etc. À chaque moment, gagne un changement dans validité visa à tout bien des changements. Donc avant pandémie, yo te kon ba visa ça pour 3 mois. Après pandémie, pour que yon moun capable gagne assez temps devant pour lui demander l'autre visa si ça nécessaire, yo te prolongé pour 6 mois. Nouveau décret ça qui sorti 31 mars là, yon nan premier bagaille li fait, li prolonger validité, li prolonger possibilité pour yon moun jeune visa. Pas oublier que gouvernement qui était là avant, gouvernement Jair Bolsonaro avant que yon te quitte pouvoir 31 décembre, yon te sorti portalia interministériel numéro 33 le 29 décembre qui te prolonger possibilité pour yon moun jeune visa jusqu'à 31 mars. Eh bien, gouvernement ça qui monte, avant même que date 31 mars arrive ou bien 31 mars là même, yon prolonge yon décret qui prolonge possibilité ça. Si décret ça pas prolonge, yon moun tap tout dit bye bye à question visa humanitaire, mais comme décret ça prolonge kounya pour jusqu'à mois décembre 2024, ça veut dire jusqu'à mois décembre 2024, possibilité yon toujours existé. Pour yon haïtien joindre yon visa humanitaire pour pays Brésil. Yon nan changement considérable qui gagne dans décret ça par rapport avec décret avant yo, c'est validité visa qu'on pral joindre. Jusqu'à décret qui te expire 31 mars là, yon visa que yon moun joindre yon visa humanitaire est valable pour 6 mois, koun ya yo bay visa qui valable pour 1 an. Côté moun nan gagne plus temps devant s'il poko gen kòb pour l'acheter billet pour que le capable faire démarche kòb et si moun nan a passé par Saint-Domingue par exemple, li gagne plus temps devant pour faire démarche nécessaire et arriver joindre visa dominicain. Comment ça fonctionne pour un monde joindre visa ça? Pas gain rien qui changer dans ça. OIM doit toujours décider bay rendez-vous. Les OIM décider bay rendez-vous, ou prend rendez-vous an, et dans date rendez-vous on va présenter avec document pour le déposer. C'est même document qui ont été demandé avant yo, extrait d'archives qui légalisé, yon itinéraire de voyage, casier judiciaire ou bien certificat bonne vie MS, $60 qui se frais service OIM là qu'on déposer sous compte OIM et puis ou va le déposer ou tendre le passeport après le visa après OIM yo pour venir prendre visa. Pas gain aucun changement dans processus là malgré un pile mon a questionné est-ce que qu'on y a c'est seulement déplacé à rentrer dans à la consulat hexagonal prend visa est-ce qu'on ka fait pour cousin pour cousine pas oublier nous pas parler de visa regroupement familial mais n'a parler de visa humanitaire n'importe monde à partir 18 ans capable depuis rivé jeune rendez-vous aller dans OIM à le déposer pour le faire processus même pour pas gain aucun monde Brésil pas oublier possibilité visa humanitaire là il était toujours là et jusqu'à présent il prolongé pour jusqu'à décembre 2024 difficulté qui gagnent c'est ça qui était toujours gagné et qui gagne jusqu'à présent c'est question rendez-vous dans OIM là. Est-ce que qu'on y a la OIM pral fait quelque changement dans processus là sous base nouveau décret ça? Est-ce que yo pral bay plus rendez-vous? Est-ce que yo pral faciliter rendez-vous? Est-ce que peut-être quelques monde a suspend vendre rendez-vous? Nous pas connait, nous devons rester suivre pour nous comment ça pral. Jodi on a fait journée on a fait un live exactement sur sujet ça et sur regroupement familial que OIM t'a publié notre tout. Sous gon question, assister live là pita, n'a pas nous pour capable poser question et n'a répondre puis ça possible pour nous. Merci en pile, nous pas monsieur Nassamazan. Moi mais nous en pile n'a pas dans l'autre vidéo.